Salut LinkedIn. Alors je crois que ça n'aura échappé à personne. Facebook a changé de nom. Maintenant ça s'appelle Meta. Meta. Alors c'est pas Facebook, hein, c'est le groupe Facebook. Facebook Group est devenu Meta. Meta, Meta Cagoule. Bref, on s'en fiche. On n'est pas là pour faire des vannes sur Meta, on en pense qu'on veut. Non, on est là pour vous parler de l'API conversion. Alors l'API conversion, ça c'est le second changement fondamental. Surtout quand on est un annonceur, c'est-à-dire qu'on veut faire de la publicité sur Facebook, sur Instagram, les autres plateformes de Facebook, les autres plateformes de Meta, pardon, pardon, je recommence, les autres plateformes de Meta, eh bien, il va falloir rajouter cette API conversion, ça va devenir obligatoire à partir de janvier 2022. Et là, ça change tout. Pourquoi? Tout simplement parce que Facebook va nous obliger, ou nous oblige d'ores et déjà, eh bien, à rajouter cette petite ligne de code directement incrémentée dans le site des annonceurs, de manière à pouvoir traquer eh bien, l'ensemble des personnes qui auraient cliqué sur la publicité, par exemple celle d'Instagram, pour ensuite arriver eh bien, sur le site des annonceurs, pour savoir ce qu'ils font, est-ce qu'ils ont mis en panier, ce qu'ils ont acheté, combien de pages ils ont regardé. C'est ça l'API conversion. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous avez toujours le blog, il suffit de cliquer ici. Sinon, un petit mail.